Bonjour à toutes et à tous. Alors, la semaine dernière, Arnaud a prêché sur un des récits de la conversion de Paul, celui que l'apôtre fait devant le roi Agrippa et le gouverneur Festus, à la fin du livre des Actes. Et c'est un récit un peu abrégé, puisqu'on a d'autres récits de sa conversion. Il y a celui qui se place chronologiquement dans l'histoire au chapitre 9. Et puis, lui-même, Paul, raconte plusieurs fois sa conversion dans la suite des Actes. Et aujourd'hui, à Mantes, en lien avec le temple de Cergy, mais à Cergy, ils commenceront la semaine prochaine, on débute un cycle de prédication sur le thème « On t'appellera d'un nom nouveau ». Alors, quoi de mieux que de commencer par Paul, puisque Paul a changé de nom dans la Bible. Mais on ne va pas relire le récit de sa conversion, parce que on l'a déjà lu la semaine dernière. Ce que je vous propose, c'est de lire deux passages. Un premier passage, on parle de lui sous son ancien nom, Saul, et un deuxième passage où on parle de lui avec son nom nouveau. Est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît? Donc, le premier passage, c'est la fin du passage sur la lapidation d'Étienne. Et donc, à propos d'Étienne, qui fait un discours devant un certain nombre d'opposants, voilà, il y a à leur époque dans Jérusalem, il y a un conflit qui naît dans le judaïsme. Il y avait déjà plusieurs tendances, et là il y a une nouvelle tendance qui apparaît, les Nazaréens, ceux qui croient que Jésus est le Messie annoncé depuis des siècles. Et quand Étienne fait son discours, à la fin de son discours, on nous dit à propos de ses opposants, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc dans ce passage-là, on a le premier martyr de l'église et en même temps, puisqu'il y a une grande persécution à Jérusalem, les chrétiens sont obligés de se répandre en Judée, en Samarie, et en fait, ça va être la première diffusion de la foi chrétienne, vraiment en dehors de Jérusalem, après l'ascension de Jésus. Et puis le deuxième passage, là, on est bien un temps plus loin, Paul et Saul est déjà converti, et là, c'est au chapitre 13, et là, il est déjà parti en dehors de la Judée, puisqu'il avait des oppositions. Et on nous dit, donc, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, donc sur l'île de Chypre, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, un faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, ce qui veut dire fils de Jésus, qui était un prénom très répandu à l'époque, qui était avec le proconsul Sergius Paulus comme un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui,
et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Alors, Saul de Tarse, c'est du grec, hein, parce que en hébreu son nom c'est Saül, Sheoul, sous-entendu, enfin c'est-à-dire demander en hébreu, sous-entendu demander à Dieu. Suite à la division du royaume d'Israël en deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud, le royaume du sud c'est Juda, ceux du nord ont été déportés en premier, mélangés avec d'autres peuples, et puis ceux du sud ont été les ancêtres, ce qu'on appelle les juifs, c'est là quand on passe des hébreux aux juifs. Et dans le royaume de Juda, en fait, il y avait des descendants surtout de la tribu de Juda, mais aussi des lévites, la tribu consacrée comme prêtre, et des gens de Benjamin. Et Paul le dit dans un autre passage, il dit que lui, il est descendant de la tribu de Benjamin. Donc ses parents, en tant que benjamites, lui ont donné le nom du seul roi benjamin d'Israël, le roi Saül. Celui qui a été roi à l'époque du prophète Samuel et qui a été le premier roi d'Israël avant David. Et en fait, Saül de Tarse, Saul, représente ce qu'on pourrait appeler le meilleur des deux mondes, entre le monde juif d'un côté et le monde gréco-romain. D'un côté, en termes d'éducation juive, il a reçu, en tout cas chez les pharisiens, le nex plus ultra. Il a reçu la meilleure éducation. Il le dit dans un autre passage, il dit que, certes, il est de Tarse, alors c'est dans l'actuelle Turquie, à l'époque ça s'appelait la Cilicie, mais aujourd'hui c'est la Turquie, il dit, mais c'est à Jérusalem que j'ai été élevé. Et dans une éducation juive, pharisienne, rabbinique, et pas par n'importe qui. Il dit qu'il a eu comme professeur, comme rabbin, Gamaliel l'Ancien, qui est bien connu dans le Talmud et dont on parle régulièrement, qui est une grande dynastie de rabbins. Et donc, c'est quelqu'un qui, Paul, Saul, est zélé pour la foi et qui a une bonne connaissance de la Bible et de tout ce que nous on va appeler l'Ancien Testament. Parce qu'à l'époque de Jésus, à l'époque de Paul, dans les différentes catégories du judaïsme, certains n'ont pour seule Bible que la Torah, le Pentateuch, la loi de Moïse. C'est le cas des Samaritains. Bon, ils ne sont plus très nombreux, ils sont même pas un millier de nos jours, mais c'est leur cas. Et c'est le cas aussi des grands prêtres. Les grands prêtres, eux, ce ne sont pas des pharisiens, ce sont des sadducéens. Alors on nous dit dans le Nouveau Testament que donc ils ne croient pas en la résurrection des morts, mais parce que tout simplement ils ne croient pas à d'autres livres bibliques que ce qui, pour eux, ça s'arrête à la fin du Deutéronome, la mort de Moïse. Donc tous les passages prophétiques d'Ésaïe, Ézéchiel, etc., la résurrection des morts, excusez-moi, ils n'y croient pas. À l'inverse de Saül qui, lui, justement, est pharisien. Et c'est le meilleur des deux mondes aussi parce que même s'il a été élevé à Jérusalem, il a bercé aussi dans ce monde gréco-romain et il connaît non seulement sa Bible, mais il connaît aussi l'art oratoire grec. On le voit dans certains passages. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de la littérature grecque. On nous dit par exemple qu'il connaît la technique de la diatribe, c'est-à-dire qu'un auteur de texte va construire un dialogue avec un personnage imaginaire dans son texte pour diffuser ses idées. Et je dois dire aussi que Paul est l'un des auteurs de la Bible où je dois m'arrêter pour relire certains passages parce qu'il fait des phrases de je ne sais pas combien de versets et qu'à la fin je comprends plus ce qu'il a dit au début. Hein, vous savez, et notamment dans ses salutations au début, hein, par la grâce de Dieu qui nanana, 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 avec des participes présents en français, etc. Voilà, et à un moment, je me dis, il est parti de où déjà quand j'arrive à la fin de la phrase. Donc ça me fait un peu ça dans les visions d'Ézéchiel qui sont hallucinantes ou des choses comme ça, où je me dis, bon, alors on va reprendre, on va lire proposition après proposition la phrase pour essayer de ne pas perdre le fil parce que voilà. Et puis, il connaît bien aussi le monde gréco-romain parce qu'il a un privilège, c'est qu'il est citoyen de Romain de naissance. Or, à son époque, tout le monde n'est pas encore citoyen romain dans l'Empire. Et donc, il a cette double appartenance, juif et romain. Donc, à la fin des Actes des Apôtres, quand un tribun l'enchaîne et le livre à un centurion pour le faire fouetter sans jugement, et qui dit « moi, en fait, je suis citoyen romain », le tribun et le centurion paniquent parce qu'ils disent « purée, on a fait ça à un citoyen romain, or sans jugement, on n'a pas le droit ». Et donc là, on voit qu'c'est le meilleur des deux mondes. Alors que si Paul avait été un simple juif, ils auraient pu le maltraiter, le tuer, comme ils ont fait pour Jésus, sans aucun problème, c'est pas un souci pour les Romains. Et ça, c'est toutes les qualités de Paul avant sa conversion. Le gros problème, c'est qu'il n'est pas apte encore à servir pour Dieu, malgré toutes ses qualités.
Pourquoi ? Parce qu'il persécute l'Église de Jésus-Christ. Et donc là, Dieu va intervenir de façon directe et manifeste dans sa vie. C'est le récit de la conversion qu'on a entendu la semaine dernière. Souvent dans la Bible, on voit Dieu qui est décrit comme un potier ou un fondeur. Et avec la conversion de Saül, Dieu casse le vase qu'est Saül. Il fond l'objet de métal agressif qu'il était, une arme qui avait été forgée contre l'Église de Jésus-Christ. Il brise son orgueil. Et maintenant, Saül va s'appeler Paul. Dans le Nouveau Testament, on dit voilà. Et alors, à la différence d'Abraham et de Sarah, où c'est Dieu qui leur dit maintenant, vous allez changer de nom, ou de Simon-Pierre, où c'est Jésus qui dit maintenant, tu vois, là, c'est Luc qui dit, voilà, maintenant, qu'on appelle aussi Paul, etc. Il y a pas de, on ne nous parle pas de Dieu qui va lui changer de nom comme ça. Et Paulos en grec, en fait, c'est le latin Paulus qui veut dire petit, chétif. Voilà, celui qui était Saül demandé, maintenant c'est petit chétif. Alors, ce n'est pas la première fois dans la Bible que Dieu permet un moment de rupture dans la vie de quelqu'un, hein, dans la vie de ses serviteurs. Alors, je ne vais pas parler de Simon-Pierre, parce que comme lui a changé de nom, peut-être qu'on en entendra parler dans ce cycle de prédication. Mais on peut parler, par exemple, de Joseph. Joseph, quand il est jeune, il a des rêves, des songes géniaux, quoi. Il dit, voilà, comme ça, devant ses frères... Dieu m'a montré comme quoi j'étais une étoile et puis que la lune, le soleil et les 11 autres étoiles se courbaient devant moi. Et ses frères comprennent très bien l'allusion. Ils disent, comment ça ? Tu penses que le soleil, ton père, la lune, ta mère et les autres étoiles, tes frères, nous allons nous courber devant toi, alors que c'est le plus jeune. Et dans le judaïsme, le droit d'aîné, c'est la hiérarchie par rapport à l'âge, c'est quelque chose de fondamental. Donc de balancer ça comme ça devant ses frères, c'est humiliant pour eux. Hein ? Et durant ces nombreuses années d'esclavage et de prison, Joseph va apprendre l'humilité. Et là, le songe qu'il a reçu, il se réalisera, mais pas dans la manière dont il l'a balancé à ses frères quand il était jeune. Moïse, élevé 40 ans comme un prince d'Égypte. L'Égypte, à l'époque, avec les empires d'Assyrie ou de Babylonie, c'est la superpuissance, quoi. Il était fils de la fille, donc petit-fils du pharaon. Il a vécu en prince d'une grande puissance. Et lui aussi, il a voulu agir à sa façon de voir quand il a tué un Égyptien qui martyrisait des Hébreux. Voilà. Mais là aussi, Dieu a brisé son orgueil pendant ces 40 années où prince d'une très grande puissance, il se retrouve berger dans le désert à bouffer de la poussière et du sable. Voilà. Pendant 40 ans. 40 ans, c'est très, 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 très long. Et que dire de Jésus ? Alors Jésus, lui, n'avait pas de problème avec l'orgueil. Mais on nous dit dans Hébreux 5, verset 8, il a appris, bien qu'il fût fils, donc fils de Dieu, l'obéissance parce qu'il a souffert. Saül avait besoin que Dieu casse l'idole qu'il s'était faite, le Dieu à son image. Puisqu'il avait reçu dans son éducation des certaines conceptions qui rentraient en opposition avec le message de l'Évangile, Jésus ne pouvait pas être Dieu. C'était donc faux et il fallait détruire cette secte qui aller faire moisir le judaïsme pour lui. C'était son Dieu à son image. Jésus ne pouvait pas être Dieu, l'Évangile ne pouvait pas être vrai. Et donc il ravageait l'Église. Mais attention, avoir un Dieu à son image n'est pas réservé à un intégriste comme Saul de Tarse. Vous pouvez avoir un Dieu à votre image en voulant avoir une religion qui se veut ouverte, tolérante, ouverte sur la société. Certains se disent qu'il faut démythologiser la Bible, que ça fait trop conte de fées, récit pour enfants, et donc on va dire, tel passage, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être vrai. C'est une façon d'avoir son Dieu à son image. Dans certaines théologies du protestantisme, on dit non, l'avenir est en construction totale, il n'est pas figé, donc Dieu ne peut pas révéler des choses sur l'avenir à des prophètes, ce qui figerait l'avenir. C'est avoir un Dieu à son image qui empêche le véritable Dieu, de faire ce qu'il veut. Et c'était déjà le cas à l'époque de Jésus, hein, puisque je le disais, les Sadducéens, les grands prêtres, eux, ne croyaient pas aux révélations prophétiques. Et ils ont été les adversaires les plus déterminés de Jésus. C'est eux qui payent Judas pour le livrer.
Et quand Jésus, lui, il est venu chercher 12 disciples, il n'a pas été vers ceux qui sont les meilleurs dans le judaïsme de son époque. Il n'a pas été ni vers les grands prêtres, sadducéens, ni vers les grandes figures pharisiennes. A posteriori, il a été chercher Paul, oui. Mais au départ, ces 12 disciples, il y avait quoi ? Des gens qui pratiquaient la pêche, un collecteur d'impôts, donc c'est-à-dire un collabo, un traître avec l'occupant romain, un zélote, c'est-à-dire un terroriste anti-romain, qui n'hésite pas à tuer. Et, en quelque sorte, excusez-moi l'expression, mais il a été chercher 12 péquenauds de la religion, hein, dans la vision de la religion. Il n'a pas pris le haut du panier. Hein. Il n'a pas pris ceux qui sortaient des meilleurs centres de formation, des plus grandes écoles, de Polytechnique, de l'ENA, de la religion juive. Et par contre, qu'est-ce qu'il a dit à propos, dans la parabole des vignerons, à propos des grands prêtres ? Il le dit en 30 après Jésus-Christ, quelques jours avant sa mort. Il le dit qu'ils seront châtiés. Et qu'est-ce qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ, lorsque les Romains ont détruit Jérusalem ? Les grands prêtres, qui avaient des magnifiques palais, etc., ont été anéantis. Et leurs palais ont été détruits. Même étant athée, vous pouvez avoir un dieu à votre image. Ça peut paraître bizarre. Mais un athée est quelqu'un qui croit en l'inexistence de Dieu. Donc pour lui, Dieu est inexistant. Il y a donc un Dieu à son image. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit qu'il y a des athées, mais qu'il n'y a pas d'incroyants. Car tous les humains croient en quelque chose. Mais je vous rassure, hein, ça n'empêche pas Dieu d'exister. Hein, Mais quand Dieu va fondre le métal qu'est Saul, c'est pour mieux le remodeler. C'est pas pour le détruire. C'est pas pour détruire aussi toutes les qualités qu'il y avait en lui. Dieu casse nos modes de fonctionnement humains pour nous permettre de saisir le mode de fonctionnement divin, pour nous aligner avec lui. Parce que s'il ne le fait pas, en fait, nous sommes hermétiques à la pensée de Dieu et nous ne pouvons pas agir comme lui le veut. C'est pour cela que Jésus dit à Nicodème, un autre pharisien, dans Jean 3, verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Comme dans la parabole des talents, où Dieu nous demande de mettre nos qualités à son service, Dieu va enfin pouvoir utiliser toutes les qualités qu'il a mises dans Joseph, et il réalisera la vision des épis et la vision des étoiles. Il va aussi utiliser toutes les qualités qu'il a mises dans Moïse, 40 ans prince d'une grande cour, 40 ans berger dans le désert, et ben pendant 40 ans, il va faire les deux à la fois, prince à la tête d'un peuple de peut-être 2 millions de personnes, et en même temps berger de ces 2 millions de brebis dans le désert. Eh bien, Dieu va aussi utiliser les qualités de Paul, grand connaisseur de la Bible, de l'art littéraire grec, mais d'une manière différente de ce qu'il faisait avant. Puisque Jésus n'a rien écrit de lui-même, ce sont ses disciples qui ont écrit, Paul va être le plus grand auteur, l'auteur le plus prolifique avec ses 13 lettres de tout le Nouveau Testament. Lui, le petit, le chétif. Et lui-même va dire qu'il est le plus petit des apôtres. On lit dans 1 Corinthiens 15, et qu'il n'est même pas digne d'être appelé apôtre parce qu'il a persécuté l'Église de Christ. Et pourtant, c'est lui qui va à la fois être l'auteur le plus prolifique, mais aussi, dans la fondation de ses débuts de l'Église, Pierre a été celui qui a été parmi les premiers à donner une impulsion hein, après la mort de Jésus et sa résurrection et son ascension. Mais Paul aussi, lui, va être très important pour passer du monde juif au monde gréco-romain, et puis aussi pour se dire, bah, tiens, nous, maintenant, on n'est pas dans une communauté juive fermée, on est au milieu du monde gréco-romain, comment vont s'adapter ces chrétiens dans un monde polythéiste ? Et il va être quelqu'un de fondamental dans cette transition. Et ce qui est intéressant aussi, quand on parle de Paul le Petit, qui va être important pour la création de l'Église, c'est que de nombreuses fois, Dieu fait des inversions vis-à-vis des normes humaines. Paul le Petit qui devient important, Paul le persécuteur qui va devenir un propagateur zélé pour l'Évangile. La plus grande inversion évangélique, c'est la croix. Pourquoi ? Parce que, par exemple, l'homme politique romain Cicéron disait que la croix, c'était le supplice le plus cruel et le plus infâme qu'on infligeait à des esclaves. D'ailleurs, au départ, les Romains ne pouvaient pas être crucifiés, ça va venir plus tard avec le temps, mais un citoyen romain ne pouvait pas être crucifié. Dans l'Empire romain, au départ, la croix, c'est pour punir les esclaves et ceux qui ont commis des crimes abominables. Et en plus, pour Jésus, il y a non seulement l'aspect romain, mais dans le judaïsme, en lien avec le livre du Deutéronome, il y avait une malédiction, maudit celui qui est pendu au bois.
Il y avait une malédiction pour celui qui serait crucifié. Et Dieu va prendre les choses, des choses parmi les plus viles, les plus basses de ce monde, pour en faire des choses parmi les plus importantes. Alors moi, quand j'étais ado, il y avait des rappeurs qui avaient des croix en or avec certis diamants à 50 000 $. Bon, je ne suis pas sûr que ça les rapproche de Dieu, mais pour vous dire qu'on faisait un objet classe, etc., de ce qui était au départ, un objet, de, c'est comme si on se faisait des chaises électriques ou des choses comme ça. On, voilà. Vous voyez, enfin, là, chez les Romains, on passerait pour des fous. De dire, enfin, ils prennent pour symbole l'humiliation la plus totale, la souffrance la plus dure. Voilà. Et dans ses grandes qualités oratoires, Paul le met en avant. Dans 1 Corinthiens 1, il dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Et un peu plus loin, là, on passe du verset 18 au verset 21. « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Les Juifs demandent des miracles et les Grecs, il dit des Grecs à son époque, mais on pourrait dire les Occidentaux en 2024, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. De la même manière, Dieu utilise le ministère de Paul comme un diffuseur puissant de l'évangile, donc je l'ai dit, dans le monde gréco-romain. Alors, le mot ministère, tel qu'il a été traduit, alors c'est parce que là, c'est un mot qui vient du latin hein, au départ, dans le Nouveau Testament, on est en grec. Aujourd'hui, ça donne l'image de quelqu'un de puissant. Là, on cherche un... Moi, j'attends de savoir qui sera mon prochain ministre. Hein. On sait qui est le premier ministre, on ne sait pas qui... Et puis, est-ce que ça va durer? Est-ce que, voilà, on poursuit les mêmes choses ou pas? Enfin... Et donc, un ministre, pour nous, c'est quelqu'un de puissant. Okay, voilà. Dans la Bible, non, c'est pour traduire le mot service. C'est être au service de l'Église, pas se servir. Et aujourd'hui, nous avons accès, alors encore plus avec Internet, à une foule de ministères dans les Églises. Pasteurs, prêtres, prophètes, apôtres, j'en passe des meilleurs. Il y en a évêques, et puis alors dans le protestantisme, ça existe aussi, selon les églises, évêques. Puis dans certains pays, bon, comme évêque, ça fait trop catholique. Et puis qu'à l'anglo-saxonne, ça fait plus classe, il y en a qui se font appeler bishop. Voilà, ce qui veut dire évêque en anglais. Ça fait mieux. Bon. Attention à qui nous donnons notre attention. Attention à qui nous donnons notre écoute. Est-ce qu'ils réclament constamment d'avoir plus de fidèles, plus de followers sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils réclament constamment le don de leurs fidèles? Est-ce qu'ils veulent les belles places? Est-ce qu'ils acceptent, au contraire comme Paul, de se faire petit pour le royaume des cieux? Jésus dit de Jean-Baptiste, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Et on sait que Jean-Baptiste finira décapité. Paul lui-même a été lapidé, battu, naufragé, et il est mort en martyr. Alors, bon, heureusement, tout le monde n'est pas appelé à la persécution. Hein. Il y a des chrétiens pour qui ont de la réussite dans ce monde. Là, hier, en attendant mon train, je regardais vite fait les magazines sur dans un marchand de journaux, et sur les couvertures de magazines de foot, on parlait d'Olivier Giroud, qui est chrétien, et qui a annoncé sa retraite de l'équipe de France, et le titre du magazine, en gros, c'était « Giroud retiré de l'équipe de France, mais encore dans le cœur des supporters ». Voilà, quelque chose comme ça. Bon. Voilà, Julienne Daniels, la nouvelle championne olympique du 100 mètres, qui vient de Sainte-Lucie, dans les Antilles, est chrétienne aussi. Vous voyez, donc, c'est parce que, voilà, mais est-ce que ceux à qui nous donnons notre attention acceptent de porter leur croix comme Paul l'a porté, avec tout ce que ça peut impliquer d'humiliation, de souffrance, d'opposition? Et pour terminer, pour ceux qui ont accepté la croix, même s'il peut s'avérer, eh bien, ça peut s'avérer très douloureux, l'espérance est immense. Dans les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse, à chaque fois on termine par cette formule « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ». Et les lettres, de la 4e à la 7e lettre, ça se termine comme ça. Mais dans les 3 premières lettres, après, il y a une promesse. Dans la première lettre, lettre à l'église d'Éphèse, cela se termine ensuite, après la formule « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ».
Il est dit, au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans la deuxième lettre, celle à l'église de Smyrne, il est dit, le vainqueur ne souffrira nullement de la seconde mort. Et enfin, dans la troisième, celle à l'église de Pergame, au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai une pierre blanche. Et gravé sur la pierre, un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Que tu sois quelqu'un de considéré comme grand dans ce monde, mon frère et ma sœur, et on peut l'être en étant chrétien, j'ai cité Julien Daniels ou Olivier Giroud, ou que tu sois quelqu'un qui est considéré comme quelqu'un d'humble ou sans considération, sans importance, si tu acceptes comme Paul de te faire petit pour le royaume de Dieu, tu es appelé à être au banquet du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Tu es appelé à être au festin des noces du prince de paix et à ne pas souffrir de la mort éternelle, à recevoir la manne cachée du ciel et à recevoir une pierre. Et sur cette pierre, un nom nouveau, un nom glorieux et éternel. Car comme l'apôtre Jacques le dit en citant l'Ancien Testament, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen.